Hello tout le monde, c'est Asso. Aujourd'hui on se retrouve pour le 19e épisode déjà sur The Division. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Bon, ça va plutôt pas mal, deuxième petit épisode de la journée pour ma part. Et aujourd'hui on se retrouve à la base centrale. Ouais, on a plusieurs choses à faire aujourd'hui. On va commencer déjà par du craft. Exactement, alors chez lui, il y a une arme qui est bien sympatoche, qui est celle-là, avec 4600 DPS. Alors bien sûr j'ai retiré les mods de mon arme, qui vaut 5826. Comme vous pouvez le voir, au niveau du fric, on est un petit peu limite. Du coup, je suis allé voir dans les crafts, et il s'avère qu'il y a une arme qu'on peut définitivement se payer et se faire, qui est celle-ci en fait. Voilà, qui a un niveau de moins, mais qui est quand même assez intéressante. Donc on va crafter celle-ci en fait, simplement. Voilà. Voilà qui est fait. Maintenant. Alors on va déjà équiper ça, on va l'équiper correctement et convenablement. Alors, je ne sais pas pourquoi tu l'as fermé ce truc là, mais c'est... Voilà. Voilà, on n'a pas énormément de différence, on a une centaine de DPS en plus, c'est pas énorme, mais c'est pas grave. On va équiper deux mods bien entendu. Deux mods de ouf. Voilà. Compétent. Weapon damage is increased by 5% for 10 seconds after using a skill. Ah, ça c'est bien. Donc dès qu'on utilise un skill, on a 5% de dommages supplémentaires, ce qui est plutôt pas mal, sachant que la grenade, voilà, on l'utilise assez fréquemment quand même. Et voilà. J'ai récupéré le stuff qu'on avait récupéré en Dark Zone lors de l'épisode précédent. Souvenez-vous, en fait, le stuff se trouve là-dedans. Une fois qu'il a été décontaminé, il est automatiquement mis dans votre coffre. Donc ce qu'on a récupéré, c'est déjà deux armes. C'était le fusil à pompe qui était là et une arme verte ici, voilà. Bon, c'est pas ouf. Le reste, je ne l'ai pas encore découvert. C'est-à-dire ça, qui est un petit peu mieux, mais qui baisse quand même beaucoup de skill power. Je vais donc dire non. Voilà, dommage. Mais bon, en même temps, faut pas déconner. Ah, oh. On a plus 7 ici. Comment ça fonctionne, ça? Mode. C'est un mode. Un mode de quoi? Je sais pas trop. Alors nous on est équipé de celui-ci et lui il fait quoi? Lui il nous donne un peu moins de vie. Mais par contre beaucoup plus d'armure. Ok. On va partir là-dessus alors. Ça me paraît normal. Et ici on a deux gris, ce qui n'est pas intéressant. Je ne comprends pas ça. Repurpose Electronic Mode. Ça se met où ça? Sur un skill? Non. Ça se met où? Ah, Equip Mode? Si, si. Ah oui, mais d'accord, mais le mode pour toi c'est ça en fait. Ouais, d'accord. Honnêtement, j'ai pas compris ça. Alors c'est justement un truc que je voulais crafter également parce que je l'ai vu, mais je me suis pas dit que c'était un truc pareil. Alors attendez, on va y revenir. On va déjà vendre tout ça. Ça on va le garder vite fait. Mais je vais vous montrer de quoi je veux parler. Moi je voulais crafter ça. Donc ce qu'on a vu en fait, mais celui-là également. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Gear mode. Vous savez quoi, on va le crafter, on verra bien. Voilà. Et on a... Ah, Seeker Mine Damage. Dommage. Seeker Mine qu'on n'a pas encore, hein, je vous le rappelle. Ouais, et du coup on fait quoi avec ça? Ah, on peut peut-être modder quelque chose là. Qu'est-ce qu'on pourrait modder avec ça? Visiblement rien. Il y a peut-être des parties de stuff qu'on peut modder en fait. Et c'est ça qui... Est-ce que ça fait partie de l'apparence? Non, je pense pas quand même. L'apparence n'a rien à voir là-dedans, on est bien d'accord. Something's wrong with me.
Je ne sais pas. Je vois pas ce que ça viendrait foutre avec l'arme. De toute façon, on a juste le skin encore, c'est tout. Faudrait que je cherche sur internet. Parce que là, j'ai un... Performance mode. Electronic mode. Alors, l'électronique, on peut le retrouver dans les skills. Mais visiblement, ça n'a rien à voir avec ça. Je sais pas. Non, je sais pas. Bon, je chercherai sur internet. Bon, en tout cas, on en a deux. Je vais les mettre dans le coffre, histoire de pas avoir à les trimballer partout. Maintenant, bon. Ouais, voilà quoi. My back is all fucked up. I need some meds bad. Voilà. On n'a pas d'item extrait. Bien, maintenant allons voir cette aile médicale. On a à parler à notre ami Candel. Et en plus de ça, on a 1000 points à poser. Hein. Give me a second. Bah, je t'en prie. Hein. Yes. Sorry, Dr. Kendall, but the sample's not producing results. Did you run them at room temperature? You said. I said room goddamn temperature. Yeah, I'm pretty sure we're within temperature variances. You know what? I'll do it myself. Just put it down and we'll both pretend this never happened. Hard to believe you can't find good help in the middle of a pandemic, right? Anyway, the good news is we are up and running on what you've brought in so far. Dr. Ellis taking over the hospital wing was a lifesaver. Now I can focus on research. My wife always says I'm better with pathogens than with people. Ma femme. My ex-wife. Bunny. Anyways, you just keep doing what you're doing. We are halfway to a blueprint for a vaccine, and with your help, we will get the rest. Mais elle s'égare souvent, cette dame. Hein. Honnêtement, elle s'égare très très souvent, cette dame. Elle parle de trucs, de... Je sais pas, c'est bien de parler de sa vie de temps en temps, tu vois, mais bon, à un moment, faut pas déconner. Et l'autre en mission la dernière fois. Ouais, mais alors attends, parce qu'est-ce qu'on peut lui faire confiance au mec? Non, je te rappelle que c'est moi qui suis en plein dans le bordel là. Donc, ouais, là, il y a un moment, faut que tu me fasses confiance quand même. Anyway. Oh, recovering. Heals and cures the user nearby allies revive down allies with range. Within range. Can overheal. C'est pas mal ça. I can food, water, energy bar and soda in the supply. Lines once per hour. C'est pas génial en fait les perks. Le skill il est énorme. Le skill il est carrément énorme. Mais les perks c'est pas génial génial. Hein? Ça c'est fort ça. Quarantaine c'est bon ça. Défibrillateur. Ok, ça c'est pas mal aussi. Hazmat unit. Ah, ça, ça permet d'aller dans des zones plus contaminées encore. On peut se permettre de faire trois grosses updates. Hein. Le overheal. Dark zone inventaire par 1, c'est pas mal ça. Utiliser un medkit nous permettrait de... C'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. Oh! Collect fabric, crafting material in the medical wing once per hour. C'est bien ça aussi. Ah. Oh. Ok, y a beaucoup de choses qui sont bien, mais c'est plus situé vers le bas en fait. Donc, alors attends. Ça déjà, définitivement. Looks perfect. I can't thank you enough. Définitivement, parce que ça permettra de voir tout sur la zone, et ça c'est bien. Ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant. Ensuite, il nous reste combien? 840. 2, 4, 6, 8. On pourrait faire les 4 d'en bas là directement. Bam, bam, bam. Ouais, vous savez quoi, on va faire ça. On va carrément faire ça. Et on verra les talents ensuite. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire en fait. Now that's what I call an improvement agent. Tu m'étonnes, bah là pour l'improvement, mon pote, on est bien, hein. On est plutôt pas mal là. Allez, on se dépêche.
70% terminé, c'est pas mal. Plus de fric, ça c'est bien aussi. Fric, on en a toujours besoin, les amis. The upgrades look great. Bam, 70% les gars. Hein, c'est pas mal. Dans le medical wing. Blanc. Comme ça, directement d'entrée. C'est très très bien. Du coup, on va pouvoir... Ah, là voilà la fabrique. Now we can keep our medications monitored and secured. Ok, nice. Nice, nice, nice. On peut refaire le plein parce qu'on a un medkit supplémentaire. Voilà, parfait. Et maintenant... Non, pas, c'était pas cette touche. Bah bon, on va passer par là. Equip mode. Ah, voilà. You have now unlocked mode for one of your skills. Ah non, pour l'un des skills. Putain de merde. D'accord, très bien. The pulse has been increased range and is capable of locating nearby loot containers. Ok, donc pour les loot. Ça, ça protège tes alliés du scan adverse. C'est pas mal. Ça, c'est bien aussi. Les dommages sont augmentés sur les targets, les cibles qu'on a lockées avec le scanner. C'est pas mal non plus ça. Talent. On a 8 nouveaux talents. Ça va. En fait, on a tout débloqué. Très bien. Alors, on peut recevoir un overheal. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'on a, on peut que en placer un pour l'instant. Et ça, c'est un poil frustrant quand même. On peut recevoir un overheal si on n'a pas toute notre vie, ok. Si on heal quelqu'un avec un skill, on reçoit 15% de cooldown en moins sur les skills. Augmenter la vitesse de déplacement. Ah ouais, c'est pas mal aussi ça. 50% de dégâts en moins si on fait revivre un allié. Si on n'a pas beaucoup de vie et qu'on utilise un medkit, ça augmente la résistance de 40% pendant 10 secondes. Ah, on peut donner un 30% de chance de faire saigner les ennemis. On peut faire un groupe heal avec ça. Active skill de 20% de réduction, ok. Et nous on avait quoi là? Suppress our stat to increase headshot damage by 25% for 10 seconds. Reach low health to increase blind fire accuracy by 20. Ok. Donc on prendrait quoi qui serait intéressant pour aller à la dark zone là? Je pense que l'overheal me paraît bien. L'overheal me paraît même très bien. Tu l'as pas placé? Voilà, c'est bien. Perks. On a donc toutes les zones contaminées sur la carte. On a également l'inventaire, le slot d'inventaire dans la Dark Zone augmenté de 1. On a la fabrique donc, qui se fait dans l'aile médicale une fois toutes les heures. On a encore gagné un niveau de protection sur le virus. On a plus de fric, 10% de plus de fric. Et on a un slot de medikit supplémentaire. Et on a plus de points niveau médical. Parfait! Voyons voir ces zones alors du coup... Ah, du coup, il y en a quelques-unes, hein, des zones. C'est normal. Moi, je vous le dis, on va s'en refaire une petite là. On va s'en refaire une petite parce que le stuff est relativement intéressant tout de même. Après, faut quand même qu'on passe à des missions de nouveau, les amis. Hein. Il faut qu'on augmente les points dans la sécurité et tout le tralala qui va bien. Je serais presque tenté de refaire Madison Square Garden en version difficile. Pour le trollolol. Ouais, pas ouf, hein. Et rang 30, mec. Bien entendu. Tu as complètement craqué ton slibard. Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Warning. Entering dark zone. Non, reviens pour voir, voilà.
parfait. Ok. On va essayer ça, hein. La tourelle, bon, elle est bien, mais voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a sur la carte là? On a rien de spé sur la carte en fait. Ah ouais. L'extraction est là-bas. Oh, tu sais quoi, on va peut-être aller faire un tour ici. Bon. On va voir si on trouve des gens dans cette histoire là. Landmark. Les landmarks non plus, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Mais là, une pas loin qui est violette. Qui est à côté du point d'extraction d'ailleurs. Donc je ne sais pas. Il y a une zone contaminée juste ici. Warning. Readings indicate this area is contaminated. Ouais, bah j'en ai bien conscience, ouais. Exiting the contaminated area. This entrance require 10. Oh, oh, c'est pas de chance ça. Dommage, j'avais trouvé un petit truc là, c'était cool. Bon, tant pis. Poursuivons. Oh là là. D'accord. Alors le flanking qui marche toujours. Oh la vache. Allez. Est-ce que je peux avoir un coup de main moi? Est-ce qu'il y a des gens qui m'aident en fait? Ou est-ce que je suis tout seul dans le bordel? Oh, niveau 9. Yes, ça passe, regarde-moi ça. Seul, toi. Voilà, ciao. Un carnage. Ça le fait. C'est toi que je voulais, parfait. On enchaîne. J'ai encore trouvé des points là, visiblement. Olé. Tu vas te calmer direct là-bas, hein. Voilà, ça fait mal, hein. Ouais, je sais. Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive? Merde. Eh bien, je me fais savater, hein. Franchement, c'est un truc de fou. Ce que je prends dans la gueule. Mais bon, on a fait tout ça quand même tout seul, solo, c'était beau. Et d'a récupéré un overheal visiblement puisque je suis full life. Ou je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs, mais je suis full life. Bon, tant mieux, hein. On va pas se plaindre. Alors là, peut-être qu'il y a encore des gens puisque le truc est... Et violet, je sais pas si ça représente quelque chose. Oh merde! Oh non, putain de merde. Ok! Bon, très bien.
5. Oh ouais. You are now entering a contaminated area. Et ça? Ah ouais, d'accord, ouais. Ah, t'es un génie, toi, je te jure, t'es un génie. Et de 1, il y en a un autre qui traîne juste là. Est-ce que c'est normal? Aïe, enflure. Reviens là. Il vénère lui, hein. Oui, il vénère lui. Oh, je l'ai défoncé. Bien, est-ce qu'il y en a d'autres? Probablement, je sais pas où. Il y a encore un coffre là. Ah, faut être niveau 10 à chaque fois, c'est chiant. Il y en a un autre. Et faut encore être niveau... Non. Combien? Niveau 30. Ah, vu comme ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a une aussi grosse différence de niveau. Oh, peu importe. Avant il y avait 5 gars quand même. Beaucoup de mines. Oh la vache, ils sont combien? Vas-y, meurs dans les flammes de l'enfer. Oh, salut. On se casse. Y a du bleu là. What? Putain, je prends mais de tous les mais dans tous les sens. Et c'est qui m'a tiré? Ah, c'est le snipe là-bas. OK. Je vois. Tu racontes? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Ouais, il y a un sniper, faites gaffe les gars. Et il est pas commode lui. Attends, moi je vais aller chercher ton pote là, tu vas voir. Il est où? Ah ouais, mais c'est un solide en fait. Sors ta tête. Il l'a tué? Non, il l'a pas tué. C'est des renégats, ceux-là? Tu vois que t'as beaucoup de monde. Ouais, c'est des renégats en fait. Oh merde, je suis dans une daube moi, assez incroyable. Le problème c'est que j'ai pas de mun non plus, ça craint, putain, j'ai rien.
fait quoi? On fait quoi? On les tue les deux? Si on les tue, on va se faire tuer nous. Prends 10. Ouais mais là j'ai du bleu sur moi, faudrait aller extraire. Faudrait absolument aller extraire. 1, j'ai pas beaucoup de mun. 2, on est blindé jusqu'à je ne sais quoi. Faut vraiment que j'aille extraire en fait. Et il y a encore un coffre à l'intérieur ici. J'espère qu'il y a personne d'ailleurs. Ah bah si, forcément. Ouais viens, tu vas mourir. Voilà. Ah, je t'avais prévenu. Le coffre que je peux ouvrir est là. Viens là. Putain, elle fait rien comme dommage cette arme. Enfin si, elle faisait, mais il y a un moment quoi. Putain, j'ai failli crever. J'ai plus de medkit. Ça craint. Ça craint beaucoup, ça craint beaucoup. Bon, ce qu'on va faire, moi je propose de rester là. Oh putain de merde, il vient juste de pop le con. On se casse. Voilà comment ça va marcher. On se casse. Et vis, et vite, 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 fis ça mon pote. Et il faut absolument que je puisse extraire là. Il faut absolument que je puisse extraire. Ça craint à fond. Bon. Non. 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 Putain, l'enfoiré, je te jure. Oh. Tête de nœud. Alors, on s'en fout, le. Ah merde, mais fais quelque chose. Ok, bon. Oh. J'ai pas le choix, les amis. Il faut que je balance. Il faut que je balance. J'ai pas le choix. En train de faire un ménage là-bas, c'est assez impressionnant. Une fois qu'on aura tout jarté au niveau item, les amis, ce sera plus vraiment un problème. Mais là, concrètement, là, on est dans la merde. J'ai plus de medkit, j'ai plus rien, c'est horrible. Il y a des gars qui viennent derrière moi aussi. Chopper is inbound. Bah t'as pris cher toi par contre. Oh, y'a un medkit. Agent, I am inbound on your position. You got a bird inbound on your position. Allez, allez, dépêche avec ton truc là. Ton chopper. Item extraction is go. Ready to bring it on board.
Bien. Ça c'est fait, heureusement. Je croyais qu'on allait jamais y arriver, je te le dis. Extraction complete. Je voulais pas crever quoi. Bon, il me faut de la mune. Oh, il y a un coffre là. Il y a un coffre là. Il est où? Oh, salut. Non, monte dedans, monte dedans. C'est nice. Putain, ça y est, on a déjà deux items de nouveau. Ok, voyons voir. On va faire tout le tour. Oh, c'est un carnage. Il y en a d'autres. On dirait pas. Ça c'est... Putain, j'ai vu des re... avant j'ai vu des renégats, j'aurais pu les défoncer. Peut-être. Et maintenant mais trop chaud, hein, trop chaud, j'aurais pas si... T'imagines les mecs ils se retournent et ils me mettent minable juste comme ça alors que j'étais stuffé comme un sac. Non 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 non. Impossible. Le truc de rentrante quoi, laisse tomber. Ну вообще-то так всегда. Пошли дальше искать. Со мной. De quoi il parle lui? Je comprends rien quand tu parles mon gars. C'est quoi, c'est du russe ou un truc comme ça? Опа, а вот тут вообще. О, давай этого чувака позовем. Oh merde. Ils se sont barrés les mecs en fait. Ouais, prends, dépêche ça. Putain, je suis entouré de gars. Je devrais les laisser sur un feu en fait. Et je crois que j'ai accepté l'invite de groupe d'avant, mais j'ai. Je sais pas où ils sont. Oh merde, j'ai foiré ma grenade. De toute façon, je sais pas si elle était vraiment rentable cette grenade. Enfin, si elle était vraiment intéressante pour moi. Oh, t'as tout pris dans la tête, mec. Olé, nice. C'est quoi ça? Van spécial. Ok, très bien, très bien, très bien. Alors j'ai de nouveau plus de mun. Il faut absolument que je rentre éventuellement à la base. Où est-ce qu'il y a un checkpoint ici? Il y a un checkpoint qui est pas loin, qui est là.
disturbing. Ce serait peut-être intéressant d'y aller quand même. Après, je sais pas s'il y a encore du monde dans la zone ici ou pas. Wouah! Eh, c'est sportif, hein. Franchement, comme zone, c'est ultra sportif, mais je suis super fan. J'adore. Franchement, je suis fan. Fuck! Il m'a mis super cher, lui. Alors, on a décidé de mettre kit, on s'en fout, hein, les amis, hein, puisqu'en même temps, on va retourner à la base. Enfin, du moins, si j'arrive en vie. Parce que là, c'est un petit peu tendu, n'est-ce pas? Ah putain, je peux pas pendant que je suis en combat. Super. Bon, alors on va analyser la zone. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Il est tout seul? Non. Sérieux? Oh l'enfoiré. Non! Forcément, et je suis décédé. Bon, très bien. Alors, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais vous laisser ici pour cet épisode. Moi, je vais peut-être continuer hors caméra un petit peu, puisqu'en même temps, c'est pas. Voilà, hein, vous savez ce qui se passe ici. On s'en sort plutôt pas mal. Mis à part là, la petite mort, bon, bah, c'est des choses qui peuvent arriver. On va directement aller rendre nos comptes à ce monsieur. Il s'est barré en fait. Très bien. Donc j'ai récupéré tous les items, c'est parfait. On va quand même se planquer dans la gate, histoire de. Moi je vous laisse là, j'espère que vous avez apprécié les amis. Je pense que le prochain épisode ce sera encore un petit peu de Dark Zone. Et ensuite je passerai un petit peu à autre chose quand même pour vous montrer voilà, d'autres trucs. Et on va continuer l'émission également et l'histoire principale. Merci encore d'avoir suivi, je vous fais des petits bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao tout le monde.